Et what's up à tous mes pins sans coconuts, j'espère que vous êtes tous bien, on se retrouve aujourd'hui sur Dying Light. Donc après pas mal de temps sans vidéo, donc je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de mes abonnés, car j'ai pas eu trop le temps de faire mes vidéos, j'en ai des tonnes à vous proposer encore, donc à peu près une vingtaine. Donc je tiens tout d'abord à vous dire que demain, grand maximum, toutes mes vidéos que je devais vous proposer il y a 3-4 jours sur Dying Light seront postées, même si je dois en faire 20 dans la journée, elles seront toutes postées demain, voilà. Donc je m'excuse encore une fois pour ceux qui m'avaient demandé des tutoriels succès, etc. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tutoriel sur comment avoir le maximum d'argent sur Dying Light en 1 à 2 minutes. Donc c'est à dire 2 milliards sur Dying Light. Ensuite je vous explique, vous passez dans les nombres négatifs, vous serez à moins de 2 milliards. Et il faudra gagner 2 milliards d'argent encore pour pouvoir acheter même un truc qui coûte 1 dollar, parce qu'en négatif vous pouvez plus rien acheter. Donc cette technique se fait avec la glande de chasseur. Donc la glande de chasseur, c'est un élément que vous obtenez lorsque vous gagnez une partie dans Bise aux zombies en écartant les humains contre le zombie, donc le chasseur. Une fois que vous avez gagné, vous remportez une glande de chasseur. Ensuite vous la dupliquez à l'aide de la technique de duplication d'armes. Donc un vous tire dessus pendant que vos alliés la récupèrent en même temps, ce qui va dupliquer les glandes de chasseur. Donc pourquoi les glandes de chasseur? Parce que tout simplement c'est l'objet qui se vend le plus cher dans Dying Light. Donc hormis les armes, elles se vendent quasiment 1000$. Et ensuite parce que c'est le seul élément qui peut contenir 999999 éléments dans un pack. Voilà, donc ensuite vous en dupliquez plein, vous les posez dans votre sac, je vous conseille, et vous en vendez un au vendeur, ce qui vous fera quasiment 1 milliard, et vous en vendez un deuxième pour avoir 2 milliards. Donc je pense que c'est la meilleure technique connue à ce jour sur Dying Light pour obtenir le maximum d'argent possible. Même les Américains n'ont pas trouvé ça. C'était Rocco, on se retrouve pour de prochaines vidéos, pardon. J'espère que ça vous aura plu, en attendant, portez-vous bien. Bye tout le monde.